Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'avais envie de vous amener avec moi durant toute ma semaine. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et l'idée que j'avais pour cette vidéo, je vais m'installer juste là et vous expliquer tout ça. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon, je pense que vous l'avez constaté à mon décor. Je plaide coupable. Il n'a pas fallu beaucoup de temps après que la température ait baissé sous les 30 degrés pour que je sois prise d'une frénésie d'automne. Et aucun espace de la maison n'a été épargné. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très très bien depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de mettre en place et que du coup, je voulais vous expliquer aujourd'hui pour une raison très simple. La raison suivante, c'est que la semaine, je n'ai pas souvent beaucoup de temps pour tourner des vidéos et que donc je suis obligée de baliser une demi-journée sur un jour de repos pour tourner par exemple un podcast créatif ou une vidéo quelconque. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler avec vous quelques minutes chaque jour pour vous dire un petit peu ce que j'avais fait sur la journée de la veille, etc. Puisque vous êtes nombreux à me poser la question, comment t'organises-tu pour créer tout au long de la semaine avec en plus la maison, le travail, etc. Du coup, j'avais envie de vous emmener avec moi pour ma semaine. Et donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Oui, j'ai pas commencé lundi tout simplement puisque j'ai eu l'idée hier soir et qu'il était déjà tard. Je n'ai pas d'éclairage particulier pour filmer. J'ai vraiment zéro matériel à part mon trépied et un micro que j'utilise pour les voix off. Mais du coup, je me suis dit que c'était pas grave et que j'allais commencer... J'allais dire ce vlog, mais c'est pas vraiment un vlog, cette vidéo une semaine avec moi, un mardi. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous sommes mardi, les températures ont bien baissé. Aujourd'hui, on est sur du 23 degrés, donc je suis plutôt contente. Vous savez à quel point je vis mal la chaleur tous les ans, donc là, ça me rend vraiment super heureuse qu'il fasse un petit peu plus frais. La preuve, j'ai même mis des manches longues. Voilà, c'est vraiment la petite voix de la journée. Et donc, comme toute vidéo, je vais commencer par vous dire ce qu'il y a dans ma tasse. Et aujourd'hui, ce matin, c'est plutôt flemme, puisque c'est un petit sachet de thé. Habituellement, j'aime bien me faire ma théière avec le filtre, etc. Là, j'avais envie de quelque chose de rapide. Et donc, je me suis trouvé plusieurs sortes de thé en sachet, là, ces derniers temps. Dont celui-ci, qui est vraiment très très bon, qui est en fait une infusion plus qu'un thé. Qui est de chez Jardin Bio et qui est au cacao et à la vanille, et donc du coup ça a vraiment une odeur hyper réconfortante. Moi personnellement j'adore, j'en bois souvent le soir mais aujourd'hui j'avais envie d'en boire plutôt en matinée, et donc je l'ai mise dans ma tasse citrouille qui m'a été offerte par ma belle-sœur l'année dernière. J'adore cette tasse, elle vient de chez Starbucks comme vous pouvez le voir ici. Et je suis fan. Dès que je suis allée chercher les décos d'automne dans le garage, c'est la première chose que j'ai cherchée partout, ma tasse citrouille. Je m'excuse si la lumière est changeante, en fait, comme il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Ils passent juste devant la fenêtre et du coup, vous allez me voir un coup en jour, un coup en nuit. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant, mais bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt correct. On verra au montage. Alors, ce matin, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'avais fait hier. Même si du coup j'ai eu l'idée de filmer que hier soir, j'avais vraiment envie de vous parler de ce que j'avais fait un petit peu hier après-midi et les jours précédents pour vous montrer un petit peu où j'en étais dans mes créations et vous montrer ce que je fais quand j'ai un petit peu de temps libre, voilà, qui prend pas énormément de temps mais qui fait quand même qu'à la fin de la semaine on a créé pas mal de choses. Donc on va commencer par mon activité d'hier après-midi. Donc vous le reconnaissez sûrement si vous avez regardé les vidéos précédentes de ma chaîne, soit la vidéo Do It Yourself, couverture d'agenda en patchwork, et la vidéo où je vous parle de mon expérience avec les agendas et les planeurs, donc où je vous parle de tous les planeurs que j'ai testés, comment je les utilisais à l'époque et mon utilisation des agendas et planeurs aujourd'hui qui a beaucoup changé depuis. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous le reconnaissez sûrement. Dans tous les cas, je vous mettrai évidemment le lien vers les vidéos dans la barre d'informations si vous ne les avez pas vues et que cela vous intéresse.
Et donc voilà, la couverture n'a pas beaucoup changé depuis que j'ai fait les vidéos. J'ai juste rajouté les petites charmes, mais je crois que je vous les avais déjà montrées. Et donc à l'arrière, voilà, il est tout simple. Je prévois de rajouter une petite étiquette ici avec brodé 2023 dessus. Donc c'est plus facile de se repérer quand c'est écrit sur la couverture. Comme ça, quand j'en ai plusieurs, je peux facilement repérer en quelle année j'ai fait celui-ci ou celui-là. Dans tous les cas, je m'y retrouve puisque je fais toujours des couvertures qui sont très très différentes. Et du coup, j'arrive à me repérer comme ça. Mais je trouvais ça sympa de broder l'année directement dessus. Donc ça c'est un petit projet que j'ai pour cet agenda pour plus tard. Mais donc mon activité d'hier a été liée à cet agenda puisque j'ai fait ma page de cette semaine et ma page de la semaine prochaine. Donc je vais essayer de vous retrouver parce que cet agenda est sur plus d'un an comme je vous avais expliqué dans la vidéo. Donc il est vraiment très très gros. Hop, donc ma page dernière semaine du mois d'août. Hop, on est là. Donc voici, je cache le texte ici, donc voici ma page de cette semaine. Donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo, à présent je colle juste des petites choses que j'aime bien, des stickers, des bouts de papier, etc. pour faire une déco très simple, mais en fait c'est juste mon petit temps de la semaine, de collage, vraiment de détente. Donc je me prends pas du tout la tête à faire des dessins, imprimer des choses, etc. Je le remplis vraiment au fil de l'eau puisque comme je vous avais expliqué, ça me stresse plus qu'autre chose quand je dois me tenir à quelque chose de parfait sur le long terme, quand parfois je saute des pages ou autre, voilà, ça me stresse beaucoup. Donc j'ai décidé de gérer cet agenda plus au fil de l'eau et à y noter des petites anecdotes du quotidien. Mais tout ça je vous l'explique dans ma vidéo sur les planeurs et comment je les utilise. Du coup si ça vous intéresse et que vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder directement la vidéo. Donc voilà, hier j'ai fait ma petite page de la semaine et j'ai également préparé la première page du mois de septembre. Donc j'ai pas rempli les calendriers, les choses comme ça encore. D'ailleurs je remplis assez rarement la page calendrier mensuel. Mais du coup j'ai commencé à préparer la première page de septembre. Sachant que je pense que je vais y rajouter des petites choses, mais dans l'idée. Oui madame, vous voulez venir dire bonjour? Viens si tu veux. Viens. Un bébé. Elle râle. Reste là si tu veux. Donc j'ai commencé à décorer la première page du mois de septembre. Je vais sûrement rajouter des petites choses au fur et à mesure. Mais voilà, dans l'idée. Je pense que vous avez compris que je suis rentrée dans une ambiance automne pour à peu près tout là ces derniers temps et je vous avoue que ça me rend super heureuse tout simplement parce que je me sens revivre en fait avec la baisse des températures et du coup ça me fait super plaisir. Donc j'ai rempli également la première page du mois de septembre en mode automne. Également ce que j'ai fait hop, pour cet agenda là, comme je vous l'avais expliqué, comme cet agenda est sur plus d'une année et que je l'ai commencé trop tard, j'ai à peu près toutes ces pages de libre où je ne peux pas remplir au jour par jour. Donc du coup j'ai décidé de les transformer en album photo. Donc cette semaine j'ai sélectionné plusieurs photos de l'année 2023 pour commencer cette partie album. Une fois ces pages faites et remplies, j'ai décidé de m'adonner à une autre activité de journaling, si je peux dire, qui était disponible dans le dernier Daphné Diary que je me suis procuré hier justement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette édition de septembre puisque du coup il compte pour le mois de septembre même si on est toujours fin août. Il y a des super jolies illustrations dedans et on nous parle également de leur nouveauté qui est le calendrier de l'Avent et le nouvel agenda. Donc bon, je ne sais pas si je me procurais l'agenda puisque comme je vous avais expliqué l'année dernière, je ne m'avais pas hyper convaincue. Après ça peut toujours me servir d'autre chose en fait, de carnet pour autre chose. On y reviendra tout à l'heure puisque j'ai un carnet à vous présenter. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle édition. Je ne l'ai pas lue en entier encore mais le peu que j'en ai vu hier ça m'a beaucoup plu. Et du coup j'ai commencé une activité du Daphné Diary qui était... L'activité marque-page avec ces petits animaux trop adorables. Donc on en a un avec un petit chat et un avec un petit renard. Et hier j'ai décidé hop, de faire celui avec le petit chat. Donc je l'ai un petit peu amélioré par rapport à ce qui était écrit dans le Daphné Diary. C'est-à-dire que j'ai rajouté un petit œillet ici plutôt que de simplement découper le trou au ciseau.
J'ai rajouté un petit pompon. Si vous me suivez depuis longtemps, vous les reconnaissez sûrement, puisque c'est les pompons que j'utilisais sur les marque-pages que je vendais sur ma boutique d'illustration, que j'espère d'ailleurs vraiment reprendre en 2024, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup, il m'en restait quelques-uns, donc je l'ai utilisé pour ce marque-page. Et j'ai également collé de la dentelle et des petits nœuds sur le chat, sachant que ce sont des marque-pages 3D, je ne sais pas si vous verrez vraiment. Où en fait vous collez chaque partie en double ou en triple avec des petits autocollants en mousse que j'avais d'un précédent kit de chez Action je crois. Et ça vous donne un petit chat en relief super mignon. Donc j'ai déjà fait le petit chat et il me reste le renard à faire. Donc sur lequel je ne me suis pas encore lancée mais je trouve que c'est juste adorable. Et du coup hop, vu que j'adore mettre toutes sortes de choses dans mes carnets, agenda, albums, photos, voilà, ça sera très très bien là-dedans, dans mon agenda de cette année. Et dans la même idée, j'y ai ajouté également, je ne les ai pas encore mis à une place définie, ces deux jolies cartes postales que j'avais achetées à Montpellier, dans une super boutique que ma sœur m'a fait découvrir, qui sont trop mignonne. Et pareil, ça me servira à mettre entre les pages d'albums photos, etc. Donc je me suis occupée de ça hier dans mon agenda. Et du coup, j'ai super hâte de remplir ma page de cette semaine au fur et à mesure. Donc je la remplirai ce soir. Peut-être que je vous filmerai ça. Mais du coup, voilà, c'était mon activité d'hier après-midi. Remplir mes pages de la semaine et faire ce petit marque-page chat trop mignon. Je me suis hyper amusée à faire ça. C'était super simple et vraiment agréable. Donc peut-être qu'à l'avenir j'en ferai plus souvent. Pour vous situer un petit peu les événements, je vais mieux m'installer. En fait vous êtes super loin, je vais peut-être vous réajuster un petit peu. Comme c'est la première vidéo que je filme de ce type là, j'avais vraiment envie que ce soit détente et que je parle avec vous vraiment quand j'ai un petit peu de temps libre et sur l'instant T, sans vraiment tout préparer comme je pourrais faire pour un podcast. Là c'est vraiment prendre la caméra, me poser dans ma maison telle qu'elle est et parler avec vous. Donc j'ai encore un petit peu de mal à trouver les bons cadrages, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Comme ça on n'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être juste... voilà, comme ça on est bien. Je sais pas si vous aussi vous avez cette habitude de toujours mettre un coussin sur vous quand vous vous asseyez quelque part. C'est quelque chose que je fais tout le temps, je sais pas du tout d'où ça vient, peut-être... d'une insécurité sur mon physique ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai toujours fait et donc comme on est ensemble vraiment au naturel, je le fais aussi avec vous. Les gens qui n'ont pas suivi le début de la vidéo et qui peut-être avancent en avance rapide vont se dire bah, il fait pas si froid, pourquoi elle a un plaid sur elle? Non non, c'est juste un coussin, sans aucune raison je mets un coussin sur moi. Ce nouveau concept de vidéo m'a été aussi très inspiré par Pauline de la chaîne Mystis et Fibrae qui fait des vlogs créatifs où elle vous parle un petit peu chaque jour en vous montrant les créations qu'elle a réalisées. Je ne pense pas faire ça de façon récurrente comme elle, mais je trouvais le concept intéressant sur une semaine pour vous montrer un petit peu ce que je réalisais. Du coup me voilà, Pauline tu m'as beaucoup inspirée donc j'espère que ça te dérangera pas. Du coup de toute façon je pense t'envoyer un petit message sur Instagram pour te prévenir avant. Peut-être que cette vidéo ne sortira jamais si ça dérange Pauline. On verra bien. Mais bon, dans tous les cas, voilà, je trouvais le concept sympa de me poser et de venir vous parler toute la semaine. D'ailleurs, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai réalisé que je ne m'étais pas présentée aujourd'hui. Cette vidéo est complètement décousue, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, j'avais envie de faire une petite présentation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anouchka, j'ai 26 ans, j'habite dans le sud de la France, dans le Vaucluse, là où il fait très très chaud en été. Et je vis selon le style de vie et le style vestimentaire cottagecore depuis maintenant, je dirais presque 5 ans. Évidemment, mon style et mon style de vie s'est affiné au fil des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque j'ai commencé au tout début. Et je vous avoue que je m'épanouis vraiment dans ce style de vie. Et c'est ça qui m'a donné envie de le partager sur les réseaux sociaux pour pouvoir, pourquoi pas, vous inspirer et faire découvrir ce style de vie qui m'a porté
tant de bonheur à d'autres personnes qui pouvaient peut-être eux aussi en avoir besoin. Et ça me rend tellement heureuse que je trouvais ça égoïste de garder tout ça pour moi. Et donc j'ai décidé de partager tout cela sur les réseaux sociaux. Je suis passionnée de couture puisque je couds depuis mes 8 ans et que j'ai fait mes études dans ce domaine-là. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant qu'habilleuse dans le monde du spectacle et aujourd'hui j'ai fait un travail qui n'a plus rien à voir mais qui est toujours dans le domaine de la création et de la couture. Donc comme je le dis dans plusieurs vidéos, je ne souhaite pas... Quelqu'un a mal fermé son volet, hein, mais avec du vent comme ça, ça va tout casser. Je travaille en 26 heures par semaine, du coup j'ai pas mal de temps à consacrer à mon foyer et à mes activités créatives en tout genre. Je suis passionnée par tout ce qui est broderie, patchwork, couture et tout ce qui est fait avec ses mains en règle générale. Et du coup c'est tout cela que je viens partager avec vous sur ma chaîne. À présent, je vais vous montrer un petit ouvrage que j'ai commencé cette semaine et qui risque de m'occuper pour les prochains jours. Il s'agit d'un ouvrage tiré d'un livre que je vous montrerai dans mon prochain podcast créatif qui s'appelle, il me semble, Petits ouvrages quiltés. Et donc, il s'agit d'un livre regroupant plein d'ouvrages qui sont plutôt de petite taille, bien qu'en patchwork quilting, mais du coup, qui sont plus rapides à faire qu'une très grosse pièce. Donc du coup, c'est vraiment super puisque j'adore le patchwork, c'est vraiment... quelque chose qui me détend énormément et dont j'aime énormément l'esthétique, comme vous pouvez le voir ici, et il y en a un autre là-bas. Et aussi ma couverture d'agenda, enfin bref, il y en a partout. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, bien que je suis encore très débutante sur le sujet, puisque ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé le patchwork et le quilting encore moins. Donc du coup, j'ai décidé que cette année, je voulais m'améliorer dans cette technique-là. Et donc j'ai décidé de commencer des petits ouvrages, en plus des gros, pour pouvoir m'entraîner tout au long de l'année. Et donc j'ai commencé à faire des mug rugs. Donc les mug rugs, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des plus gros dessous de verre, si je puis dire. Et donc c'est ce que j'ai fait ici avec des petits hexagones. Donc une partie est montée à la machine, l'autre partie est montée à la main. Et j'ai commencé la broderie qui va orner le centre du dessous de verre. Mais il y en aura également sur les côtés. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. J'ai terminé la maison, la petite barrière, la petite fumée qui sort de la cheminée, je ne sais pas si vous la verrez. Et là, je suis en train de faire les points de nœuds pour faire l'arbre, sachant que je déteste vraiment faire les points de nœuds. C'est un des points de broderie que je déteste le plus. J'ai mis super longtemps à comprendre comment il se faisait. Maintenant, ça va, je le maîtrise. Mais c'est pas celui que je préfère. Donc voilà, j'ai commencé ce petit mug rug et pour vous donner une idée, j'en ai trois de prévus. Donc il y a déjà l'espèce de fleur en hexagone qui est faite pour les trois mug rugs. Il me reste les petits triangles à accrocher sur les deux autres et les broderies à faire évidemment. Puis j'aurai plus qu'à faire le quilting, enfin plus qu'à, c'est plus que ça, mais j'aurai seulement à rajouter le molleton et ce que l'on met en dessous comme tissu et à fermer tout ça, puis à le quilter. Mais en tout cas voilà, c'est un petit ouvrage sympathique aux couleurs de l'automne mais qui reste quand même les couleurs de ma maison toute l'année pour que je puisse continuer à les utiliser. Donc voilà, c'est plutôt sympa et c'est ce qui m'a occupée notamment lors de mes pauses de midi la fin de la semaine dernière et du coup qui va m'occuper à mes pauses de midi de cette semaine. Puisque j'aime bien apporter des petits ouvrages à faire à la main au travail que je peux faire entre midi et deux. Voilà, donc souvent c'est de la broderie, du point de croix ou du quilting puisque c'est des choses pratiques à faire et sans machine à coudre, bien que je peux aussi coudre à la machine au travail, mais bon, pour le coup je préfère me poser bien tranquille avec ma couture main et puis en plus une de mes collègues en fait aussi, donc au moins on peut le faire ensemble et papoter et ça c'est trop chouette. La dernière chose qui m'a occupée hier et en ce début de semaine, c'est un nouveau carnet. Donc là on va pas vraiment parler de journaling puisque c'est un cahier un petit peu plus brouillon si je peux dire, que j'ai décidé de commencer, qui est en fait un carnet où je vais noter vraiment de façon beaucoup plus organisée les projets créatifs que je suis en train de produire, les tissus que j'utilise, etc. Donc en fait c'est un petit peu un carnet à idées où je note mes projets et j'ai décidé de travailler par saison. Donc là par exemple j'ai commencé la page projet créatif automne 2023. Je me suis fixé quelques objectifs en broderie, patchwork et couture tout court. Il me semble que j'ai aussi fixé, oui, l'objectif décoration. Et donc je note toutes mes idées pour pouvoir garder le fil. Donc là comme vous le voyez,
Il s'agit du petit mugrug, bon, que dessine très grossièrement, hein, je vous l'accorde. C'est vraiment comme un cahier de brouillon en fait, juste un peu mieux organisé. Ici j'ai collé les différents tissus que je souhaitais utiliser pour avoir un petit peu une ambiance de couleur, etc. Et ensuite voilà, j'ai noté tous mes objectifs et pareil j'ai fait des petits croquis, des choses que je souhaitais réaliser et comme ça je peux les surligner au fur et à mesure quand ceci est fait. Sachant que dans ce joli carnet j'aimerais aussi recommencer à faire ce que j'ai fait pendant très longtemps mais dans un carnet qui était vraiment pas joli et pas bien organisé du tout. C'est une lubie un petit peu bizarre mais j'adore garder les lisières des tissus. Pour ceux qui ne sont pas familiers à ça, ce que l'on appelle une lisière, c'est en fait cette petite bande sans motif et souvent avec des choses écrites dessus que l'on trouve en bordure de tissu, en fait sur un côté ou sur les deux en fait tout simplement, et que qui ne s'utilise pas dans les ouvrages. Donc en fait quand elles sont jolies, je les coupe et je les garde. J'en ai toutes sortes dans un vieux carnet comme je vous disais et donc j'ai décidé qu'à la fin de ce carnet là, j'allais pouvoir conserver toutes les lisières que je trouve jolies. Donc c'est une lubie un petit peu bizarre mais j'aime bien ça. Et en plus les tissus patchwork ont souvent des lisières vraiment très jolies. Donc du coup je suis plutôt contente parce que j'en ai tout plein à récupérer. Bon là il y a aussi les gabarits que j'ai reportés des mug rugs. Donc pour l'instant je les laisse à la page associée. Peut-être que je collerai des petites enveloppes pour ranger les gabarits dedans. Quand c'est vraiment des petites choses pour les avoir et avoir une rétrospective sur l'année. Voilà, en tout cas, j'ai débuté ce carnet cette semaine et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Avoir un carnet à idées qui soit beaucoup plus organisé pour pouvoir me permettre de mieux m'y retrouver et surtout de noter toutes mes idées parce que il y a beaucoup d'idées que j'ai sur le moment et j'ai tellement d'idées tout le temps que je finis par en oublier certaines. Donc au moins, je peux tout noter ici et je n'oublie presque rien. Ce carnet d'ailleurs c'est un carnet de chez Artisan Paper que j'avais reçu sur Instagram, je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Au début je l'avais utilisé pour noter quelques petites choses et puis finalement j'ai décidé de le refaire entièrement au propre pour ce projet là. Mais en tout cas voilà, je trouve qu'il est trop joli. Et du coup, je suis trop contente de lui avoir trouvé une utilité telle que celle-ci. Dessus, il est noté mon carnet de notes, pensées et inspirations et grandes idées. Je trouve que ça correspond vraiment très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais commencer doucement à me préparer. Je commence le travail en milieu d'après-midi aujourd'hui. Et donc du coup, je finis assez tard pour cet après-midi. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, je remplirai, je pense, ma page d'agenda de la journée avec une petite anecdote ou autre et je ne pense pas faire de loisirs créatifs ce soir, je ne pense pas puisque du coup j'aurai le repas à préparer et je pense qu'on va être un peu limite en termes de temps. Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai demain en début de journée ou fin de journée, sûrement moins longtemps qu'aujourd'hui, pour pouvoir vous raconter un petit peu ma journée et ce que j'ai fait. Je vais aussi insérer des petits clips, comme je vous disais, comme c'est pas un format de vidéo que je pense faire de façon récurrente, je vais vous filmer des petits clips de ma semaine, en fait, des choses que je fais qui sont peut-être pas forcément passionnantes, mais qui font partie de mon quotidien. Et voilà, au moins ça vous permettra d'être vraiment en immersion avec moi pendant une semaine et j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc sur ces bonnes paroles, je file me préparer et je vous retrouve ce soir ou demain. Bisous, bonne journée. Ah oui, et vous allez rire, j'ai un petit peu honte, hein, mais en fait ce soir je sais quelle sera mon activité. Plier mon linge. Bonjour à tous, je vous retrouve le jeudi matin. Je ne vous ai pas pris en vidéo hier parce que j'avais une journée bien remplie et du coup je suis partie travailler tôt et je suis rentrée du travail assez tard.
Donc du coup, j'ai préféré me réserver pour venir discuter avec vous ce matin avant de partir travailler. Comme vous l'avez vu dans les petits clips que j'ai mis précédemment, je me suis mise à crocheter des chouchous. Donc pour tout vous dire, nous avons reçu une fiche création au travail sur les chouchous en crochet. Et en la voyant, je me suis dit, c'est trop joli, mais c'est même pas la peine, je ne vais pas y arriver. Et en fait, en me posant un petit peu dessus, j'ai réussi. Donc en voyant que j'étais capable d'y arriver, j'ai pris un tuto le soir venu, une fois rentrée du travail à la maison. J'ai pris un tuto sur YouTube et je me suis crocheté un chouchou. Donc c'est de la laine de chez Iman, comme je vous disais, pour apprendre le crochet. J'ai vraiment pas voulu mettre cher dans la laine que j'ai achetée. Donc je me suis crocheté ce petit chouchou. Sur le tuto, pour tout vous dire, il n'y avait pas autant de brides. C'est moi qui l'ai agrandi parce que je le trouvais trop petit. Donc je pense que pour un chouchou pour petite fille, ça aurait été parfait. Mais moi qui ai quand même pas mal de cheveux et qui aime bien les chouchous qui se voient, j'ai pris la liberté de rajouter en fait ce rang-là de brides. Et je trouve le résultat trop mignon, on dirait un petit chou-fleur. J'ai vraiment adoré faire ça pour une première expérience au crochet, moi qui me croyais pas capable de faire grand-chose. Je suis vraiment ravie et du coup j'ai envie d'en faire tout plein. Donc ça c'était le petit projet pas du tout prévu, mais qui fait vraiment plaisir à faire je trouve. Donc j'ai fini celui-ci hier à ma pause de midi, j'ai un petit peu avancé dans le bus aussi comme vous avez pu le voir. Et j'en referai sûrement d'autres parce que j'ai vraiment adoré faire ça et je me dis que pour certaines coiffures ça peut vraiment être trop mignon. Et en tant que petit cadeau à rajouter un plus gros cadeau, ça peut être quelque chose de super sympa quand on fait des petits cadeaux à une dame qui aime porter des accessoires pour cheveux. Ça peut être une très bonne idée, donc je pense que j'en ferai tout plein. Alors il y a Sally qui est en train de renifler ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous parler d'un magnifique, sublime cadeau que j'ai reçu hier de la part de Maryse qui je pense se reconnaîtra puisque je sais qu'elle regarde mes vidéos. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas ouvert le cadeau quand elle me l'a offert puisque j'étais sur mon lieu de travail. Donc je lui ai dit je garde la surprise, je le regarderai tout à l'heure. Je n'étais pas prête, vraiment. Et je vais vous montrer, c'est d'une finesse, d'une délicatesse. Vraiment Maryse, je te remercie de tout mon cœur, je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie. C'est absolument magnifique et ça m'a inspirée à faire aussi ce genre d'objet. Je vous explique tout ça tout de suite. Donc hier, j'ai reçu en cadeau cette superbe poupée Tilda d'automne. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est superbe. Je vais essayer de vous montrer dans les détails. Endroit par endroit. Donc c'est une superbe poupée, elle est vraiment très très grande comme vous pouvez le voir. Hop, elle a une très jolie robe avec des motifs renards, fleurs, champignons d'automne. Un petit tablier qui a été brodé main du coup par Maryse, absolument sublime. Un petit haut en crochet et des petites manches bouffantes trop mignonnes, un petit peu transparentes avec des petites fleurs. Elle a un très joli chapeau et de part et d'autre vous retrouvez en fait des petites breloques et des petits objets en fimo. Et ces petites chaussures sont également en fimo. Quand j'ai ouvert le paquet, je n'en croyais pas mes yeux. Je trouve ça absolument sublime. C'est la première fois que je voyais des poupées Tilda aussi grandes. Je savais qu'elles existaient. Je voulais me pencher sur la question, mais je n'en avais jamais vu en vrai. Autant dire que je suis 100% convaincue. Ce travail, mais vraiment. Alors, Maryse ne partage pas ses créations sur Internet. Mais elle est d'un talent, c'est incroyable. Elle m'a fait un petit livre Béatrix Potter avec vraiment des choses sur les pages et tout. Hein. C'est absolument superbe. Et dans son petit sac, il y a aussi des petits champignons. Je vais essayer de vous en sortir un. Il est vachement grand son sac. J'arrive pas à attraper le fond. Voilà. Il y a aussi des petits champignons à l'intérieur en fimo. Ce cadeau me touche énormément parce que ben, c'est exactement ce que j'aime, les teintes que j'aime, le genre d'objet que j'aime et j'ai été vraiment très très touchée. Donc merci vraiment du fond du cœur Maryse, je l'adore et elle trône fièrement dans mon salon, dans ma décoration d'automne. Et en fait je vous avoue que je suis émerveillée de découvrir tous les petits détails de cette poupée. Alors ce que je vais faire c'est pas très bien mais c'est pour vous montrer vraiment le degré de détail. Elle a aussi un petit bloomer en espèce de gaze de coton, j'ai l'impression.
C'est superbe. Et en fait, quand Maryse m'a offert ce cadeau, elle a glissé dans le paquet le patron pour que je puisse moi aussi réaliser une poupée Tilda. Donc autant vous dire que ça va pas traîner et que je vais en réaliser très bientôt. J'ai pris tout plein d'inspirations, vêtements, etc. Et je sais exactement ce que j'aimerais faire. Donc voilà, j'ai nommé cette petite poupée Dorothea et j'aimerais lui faire très bientôt des copines pour la rejoindre sur sa petite étagère. Donc je vous en dirai plus bien sûr au fur et à mesure que j'avancerai sur ce projet-là. Bon, encore un nouveau projet que je rajoute, me diriez-vous, mais comment résister? Elle est absolument superbe. Donc vraiment, merci Maryse pour ton talent en fait. Tu as dû passer tellement de temps dessus. Et voilà, ça me touche énormément. Et je chérirai Dorothea toute ma vie, je crois. Parce que comme je le disais, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Alors je vais vous montrer aujourd'hui. J'avais envie, avant de partir travailler, de vous montrer ma tenue. C'est quelque chose d'assez classique aujourd'hui, puisqu'on a des températures qui sont tantôt automnales, tantôt estivales. C'est un petit peu bizarre dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, je porte cette robe, je vais me lever, de chez Laura Ashley, en motif fleuri qui m'a été offert par une de mes amies il y a bien 2 ans maintenant, que j'adore porter avec ce petit gilet qui est un petit peu rose, vieux rose, rose pastel. Et j'ai rajouté également mon petit collier qui est en fait en assiette. C'est une créatrice qui s'appelle Brice Cottage sur Instagram qui fabrique des bijoux avec de la vaisselle ancienne qui m'a réalisé ce petit médaillon avec un petit moineau dedans que j'adore. Et dessus, j'ai également mis la croix de mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, c'est la croix que je porte au quotidien la plupart du temps et je l'adore. Donc ça fait un espèce de sautoir long et je trouve que ça complète bien la tenue. J'ai mis aussi un petit nœud derrière, je sais pas si vous le verrez, de la même couleur que le gilet. Et bah, du coup ça fait une tenue assez casual, si je peux dire ça comme ça, confortable pour la journée. C'est une robe longue, elle m'arrive aux chevilles. Donc je pense que je vais mettre mes petites derbies marron avec pour compléter la tenue. Et en sac, je sais pas encore, je prends toujours des grands sacs pour le travail, donc je prendrai ce qui vient. Mais du coup, voilà pour ma tenue du jour. Donc sur ces bonnes paroles, je file pour aller travailler. Et je vous retrouve sûrement avec des petits clips de ma journée ou alors demain, puisque demain je suis de repos. Et donc ce sera le jour des loisirs créatifs et de la couture. Donc je vous retrouverai forcément pour vous montrer peut-être mon avancée sur des poupées Tilda. Je vais essayer de trouver un tissu pour faire leur peau aujourd'hui. Donc je vous dirai si j'ai trouvé quelque chose de concluant, parce que j'ai vraiment rien dans ces teintes-là dans mes réserves. Donc je vous dis tout ça demain et je vous souhaite une bonne journée. Bisous! Bonsoir à tous, je vous reprends en vidéo, il est super tard, il doit être quelque chose comme 23h et quelques. Bon, je suis désolée si je ne parle pas très très fort, j'espère que je pourrai augmenter le son au montage, mais en fait j'ai pas pu filmer vraiment avant, du coup bon, je me suis dit c'est mieux que rien, même avec une lumière approximative et en pyjama, c'est mieux que rien, on va filmer quand même. Donc aujourd'hui, programme assez tranquille, on va dire. J'étais de repos, du coup c'était assez chouette. J'ai pu faire un petit peu tout le ménage que j'avais à faire à la maison, préparer un gâteau et un petit goûter puisque j'ai convié une de mes amies et collègues de travail à venir goûter à la maison et que l'on puisse avancer un petit peu nos projets broderie et autres ensemble. Donc mon amie a choisi d'avancer une de ses broderies. Et moi, j'ai décidé de commencer mon projet poupée de chiffon, puisque comme je vous l'avais dit, avec celle-ci qui m'a été offerte, j'ai très envie de m'en réaliser également. Du coup, je me suis attelée à ça ce matin et cet après-midi, on va dire ça comme ça. Donc ce modèle-ci, c'est le modèle qui m'a été offert
par Maryse et elle m'a donné le patron correspondant exactement à cette poupée-là. J'avais très envie au début de la refaire à l'identique en termes de morphologie, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, en cherchant un petit peu des idées et en tombant sur un livre en particulier dont je vous parlerai bientôt, j'ai décidé de changer un petit peu le patron pour garder la même forme de corps mais changer la forme de visage. Et du coup, je vais vous montrer mon avancée dans ce projet-là et ce que ça donne ce soir après du coup plus ou moins une journée de travail dessus. Donc je l'ai commencé ce matin, comme vous avez sûrement vu, j'avais pris des petits plans au moment où j'avais tout dessiné pour couper et Pipin était en train de se rouler dessus comme à son habitude. Donc ça c'était ce matin avant que mon ami arrive, ça devait être vers, enfin ce matin, fin de matinée, je pense que ça devait être vers 11h30 midi. Et là, bah, comme je le disais, il est tard, il est 23h et voici hop, mon avancée du jour. Donc comme vous le voyez, j'ai décidé d'agrandir considérablement la tête par rapport à la poupée que Maryse m'a confectionnée. Mais j'ai gardé exactement la même forme de corps puisque je trouvais les hanches larges comme ça particulièrement mignonnes. Et j'ai décidé d'en faire une poupée d'inspiration victorienne. Donc du coup, je vous présente... Elle n'a pas encore de nom, mais voilà, je l'ai commencé avec une inspiration victorienne en lui cousant des petits sous-vêtements en fait que je laisserai de façon définitive sous ses vêtements puisque je les ai cousus sur son corps pour la simple et bonne raison que je ne suis vraiment pas la plus douée pour le moment pour raccorder les membres. C'est vraiment pas super joli. Du coup j'ai décidé tout simplement de coudre ses sous-vêtements directement sur son corps en fait, tout simplement. Et il me reste juste le haut à coudre sur son corps et rajouter des petites bretelles, donc faites avec de la dentelle tout simplement. Je n'ai pas de dentelle de la même couleur, donc j'attends demain de pouvoir me procurer un petit morceau qu'il me manque pour terminer ça. Et du coup je pourrai m'attaquer aux cheveux et une fois que ceci sera fait, je pourrai commencer sa garde-robe et j'ai tellement tellement hâte de lui faire plein de tenues. J'ai fait une petite sélection de tissus mais je vous les montrerai plutôt demain ou dimanche avec une bonne luminosité et quand il fera jour dehors, puisque là bon je voulais vraiment vous prendre en vidéo avant d'aller me coucher mais la qualité de son et d'image ne sera pas optimale. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait vraiment que je me procure un anneau lumineux, je sais pas trop comment on dit, je crois que ça s'appelle une ring light, un anneau lumineux pour filmer même quand la luminosité n'est pas extraordinaire. Mais comme je vous disais, pour l'instant j'ai vraiment fait zéro investissement pour mes vidéos YouTube, mais je me rends compte qu'au final pour être libre de filmer quand je veux, ça pourrait être assez utile. Donc bon, on verra ça plus tard, affaire à suivre. Mais donc voici ma petite poupée. J'ai peint son visage, donc pareil, je vous la remontrerai avec une meilleure lumière parce que pour l'instant vous n'y verrez rien du tout. Mais du coup j'ai peint son visage avec de la peinture acrylique directement et j'ai fait le blush avec du pastel sec que j'avais déjà pour mes poupées en fait en... J'allais dire en résine, mais c'est pas de la résine, mais j'ai des pulipes et des blice en fait, desquels j'ai refait le maquillage. Et c'est ce qu'on utilise, donc comme j'avais du pastel sec, c'est ce que j'ai utilisé pour faire son blush et également... du blush sur ses articulations, je trouve ça trop mignon. J'ai lui également fait des petites taches de rousseur, mais c'est vraiment très 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 léger, je pense que j'en repasserai un petit coup par dessus. Mais voilà, je vous la remontrerai à la bonne lumière, mais pour l'instant voici l'avancée et mon but est de lui faire une petite maison en fait, je ne sais pas encore sous quelle forme, avec des petits accessoires et surtout une petite armoire avec plein de vêtements que je pourrais changer et qui seront inspirés de tous mes livres classiques préférés ou de mes films préférés comme Little Women ou An Opinion Air. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai oublié de filmer hier. Du coup, on se retrouve un jour après. Mais de toute façon, je ne vais pas avoir grand-chose de mes objectifs à vous présenter. Pour être honnête, cette espèce de weekly vlog a été assez désorganisée pour la simple et bonne raison que je n'ai rien fait de ce que j'avais prévu.
Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, j'ai été à fond sur mon projet poupée ces derniers jours. Vraiment, je me suis lancée à corps perdu là-dedans alors que ce n'était absolument pas prévu. Bon, c'est bien, au moins la vidéo est vraiment très réaliste puisque je voulais vous montrer comment je m'organisais sur une semaine pour réaliser mes projets. Et au moins, vous avez pu constater que l'organisation est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais prévu d'avancer certains projets bien précis. Et au final, mon inspiration s'est un petit peu emballée. Et je suis partie sur un projet complètement différent. Mais je suis vraiment super contente de m'être lancée dans la réalisation de cette poupée de chiffon. Donc je vais vous montrer tout de suite mon avancée, sachant que je tâtonne encore un petit peu sur les vêtements. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc la dernière fois que je vous ai montré ma poupée, elle était chauve. Et en fait, je lui ai rajouté des cheveux entre temps. C'était une étape qui me stressait beaucoup parce que je n'ai jamais fait ça. J'ai l'habitude de faire des poupées animaux. Vous aviez vu Edmund sur mes derniers... Enfin, j'ai l'habitude de faire des poupées plutôt animaux. Donc vous aviez vu Edmund, ma grenouille en laine feutrée. Vous avez aussi vu mes petites peluches lapins. J'ai eu fait plusieurs autres petites peluches poupées entre temps aussi. Mais des poupées humaines, je ne m'étais jamais lancée dans l'aventure. Et donc j'avais très très peur de lui rajouter des cheveux. Sachant que je voulais vraiment rester dans le style victorien, un petit peu les quatre filles du docteur March, etc. Mais on va reparler de mes inspirations pour cette poupée juste après. J'y suis allée en improvisation complète sur les cheveux et je suis super contente du résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, donc je vous montre ça tout de suite. Tada ! Je suis trop contente. Donc voici l'avancée de ma poupée. Du coup là vous pouvez la voir un peu plus à la lumière parce que la dernière fois que j'ai filmé c'était tard le soir. Donc là au moins vous pouvez mieux la voir. Je lui ai commencé une petite robe. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore fait le bas de la robe. Et pour tout vous dire, je ne sais pas si je suis satisfaite du haut parce qu'il est quand même très très serré partout. Et j'imaginais une coupe un petit peu plus loose. Mais bon, on verra bien. Il est toujours aussi un petit peu long puisque la taille commence ici. Donc la jupe sera raccordée à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment fait sans patron. Donc bon, ça va. Je suis quand même satisfaite. Mais c'est vrai que ce n'était pas de tout repos de faire un petit haut pour cette poupée. Sachant qu'elle a une morphologie assez particulière. Comme vous pouvez le voir, elle a vraiment très long bras, très très fin. Du coup, revenons-en à nos moutons. Pour faire les cheveux, j'ai suivi un tutoriel que j'ai trouvé sur YouTube qui était à la base pour faire un chignon tout rond, tout simple, sur une poupée de chiffon. Je l'ai un petit peu modifié, sachant que une fois arrivée au point où j'ai pu lui faire une petite queue de cheval, j'ai coupé en fait tout ce qui dépassait de cheveux puisque je les avais fait trop courts pour vraiment les enrouler. Et j'ai fait une tresse en laine que je suis venue fixer tout autour du cou pour créer un espèce de chignon victorien. Et je vous avoue que je suis plutôt contente du résultat. En plus là du coup, comme je vous disais, vous pouvez la voir vraiment à la lumière, la source de lumière est juste là, donc je pense que vous verrez assez bien son visage du coup que j'ai peint à la main. Bon, il n'est pas parfait, mais honnêtement pour une première, je suis plutôt satisfaite. J'aimerais bien lui rajouter des petites taches de rousseur. J'avais essayé d'en faire déjà avec une brosse à dents et de l'aquarelle, mais ça n'a pas été très concluant. Du coup, je pense retenter ça plus tard, peut-être directement avec un petit objet, un tout petit pinceau peut-être pour les faire une par une. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis plutôt satisfaite. Le visage de cette poupée, je l'ai peint avec de la peinture acrylique, tout simplement. Sachant qu'elle a pour vocation de ne jamais passer à la machine à laver, qu'on se le dise. Elle serait beaucoup trop fragile, je pense, pour ce type de lavage. Donc du coup, je me suis dit que bon, je n'allais pas m'embarrasser de trouver des choses qui résisteraient au lavage. Voilà ce que ça donne du coup avec la peinture acrylique. Et j'ai utilisé un tout petit pinceau que j'utilisais déjà pour mes poupées en vinyle pour les maquiller. Et du coup c'est un pinceau à nail art, donc pour faire les dessins sur les ongles. Donc c'est vraiment tout petit. Mais autant vous dire que lorsque j'ai fait les sourcils et le nez,
J'ai un petit peu vu ma vie défiler. Donc comme vous pouvez le voir depuis la dernière fois, elle a également un petit jupon que je lui ai fait en toile à beurre, donc assorti à son petit bloomer ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et du coup, il se noue avec un petit nœud en dentelle dans le dos. Et tout ça va rester en fait sous sa robe. J'ai prévu de lui faire du coup une petite robe dans cet imprimé-là qui est vraiment très mignon. Et un petit tablier par-dessus. Bon, ça, on n'y est pas encore. Mais j'espère voilà que sa tenue finale ressemblera à ça. Donc une robe plus un tablier. Et ensuite, je m'attaquerai aux chaussures. Et ça, autant vous dire que... j'ai peur. Je ne sais pas du tout comment je vais procéder. J'ai un petit peu réfléchi, mais bon, voilà, je tâtonne encore un petit peu à ce niveau-là. Je suis pas trop sûre de ce que j'aimerais faire, mis à part que j'aimerais lui faire des bottines avec des petits lacets. Mais ça va être un petit peu compliqué parce qu'elle a des jambes ben voilà, toutes droites et que j'ai vraiment jamais fait de chaussures de poupée. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ma poupée. Comme je vous disais, j'avais pour projet d'avancer mes petits dessous de verre en hexagone. Au final, je les ai un petit peu laissés de côté, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai été vraiment happée par ce projet-là. Et du coup, ça me fait juste super plaisir de me lancer à cœur perdu dedans. J'espère que la tournure qu'a pris cette vidéo ne vous aura pas ennuyé, parce qu'au final c'était censé être quelque chose de très organisé où je filmais chaque jour. Au final ça a été complètement désorganisé et j'espère que c'était quand même plaisant à regarder pour vous. Je l'espère de tout cœur en tout cas. Quoi qu'il en soit, voilà, au moins vous voyez un petit peu mon processus créatif et ce que ça donne quand je me lance à cœur perdu dans des ouvrages que j'aime, parce que je perds complètement la notion de l'organisation et du temps dans ce genre de moment. Et c'est exactement ce que me procure la réalisation de cette petite poupée. Je vais vous montrer un petit peu ma tenue du jour puisque c'est ce que j'ai fait cette semaine. Mais je vous avoue que je suis un petit peu tristoune parce que les températures remontent cette semaine. Aujourd'hui, on est de nouveau avec 30 degrés dehors. Donc j'ai mis ce que j'aime appeler ma robe de survie, qui est une robe très ample en fait, en coton, en Vichy, et qui me permet d'être à l'aise quand je reste à la maison, même quand je sors. Je la mets parfois aussi pour aller travailler, et pour tout vous dire, elle est vraiment très confortable, et du coup elle m'évite d'avoir trop chaud. Bon, c'est pas la tenue la plus recherchée, et je vous avoue que j'ai vraiment super hâte d'être en automne pour pouvoir reporter vraiment mon style de façon plus affirmée. Mais bon, là, c'est juste une question de survie. Donc voici ma tenue pour survivre à la chaleur dans le sud. Je la porte avec ce petit fichu en crochet que j'aime beaucoup. Et je vous avoue que je trouve que l'ensemble, voilà, même si c'est pas hyper détaillé, ça va bien ensemble et ça reste confortable. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Pipin qui joue avec une citrouille en plastique que je lui ai donnée. Du coup, il court dans toute la maison avec. Quand je vous dis que quand je me lance à corps perdu dans un projet, vraiment, c'est à corps perdu, ce n'est pas pour rien, puisque comme je vous disais, j'ai abandonné tous mes projets en cours pour me consacrer à 100% à ma poupée. C'est vraiment un projet qui me fait super plaisir et pour lequel je me plais à imaginer tout plein de petites choses autour de cette petite demoiselle. Et donc je me suis lancée dans la fabrication d'une couverture, puisque j'ai décidé de lui créer une petite valisette qui lui servira de lit. Je vais la poser ici, je ne sais pas trop si elle sera dans le cadre. C'est un coin un petit peu inhabituel pour filmer, vous l'avez peut-être remarqué. En fait, il s'agit de mon meuble d'entrée et à la base je filme plutôt de l'autre côté. Je me suis dit qu'on allait essayer quelque chose de nouveau et que ça pourrait peut-être être sympa de vous faire changer d'angle de vue de temps en temps. Et donc, ben, nous voilà dans mon entrée. Derrière, ce sont les meubles à provision et en bas, les meubles à chaussures. Voilà, un endroit tout à fait normal pour filmer en somme. Il y a quelques temps, mon amie Aline, qui est aussi ma collègue de travail, m'avait parlé d'un projet qu'elle avait d'aménager une petite valisette en tant que maison de poupée peluche, elle ne savait pas trop. Et en fait, on avait beaucoup discuté de ce projet-là et je lui avais dit que j'adorais l'idée. Et je lui avais demandé si elle était d'accord pour que je puisse en réaliser une moi aussi, même si c'était son idée. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et que voilà, c'était une idée de projet qu'elle avait eue mais qu'elle n'avait encore rien fait. Et que du coup, elle était totalement ok si je voulais moi aussi réaliser ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai récupéré
cette petite mallette en bois qui est en fait une mallette, je vous dis en bois, mais d'ailleurs elle n'est pas du tout en bois, elle est en carton. Vous savez, c'est le genre d'accessoires que l'on peut trouver chez Cultura notamment, ou dans ce type de magasin de loisirs créatifs. Dans le rayon, il y a tout plein de choses en carton à customiser, à peindre, etc. Ça peut servir également de support pour faire du déco patch. Vous savez, cette tendance où il faut coller avec du vernis colle des morceaux de papier ou de serviettes en papier sur des objets pour les décorer. Donc ce genre d'objet, c'est clairement fait pour être customisé. Et en fait, c'est mon meilleur ami et son chéri qui m'a offert ça pour mon anniversaire et Noël l'année dernière. Et elle était remplie de laine, de chez Fildart d'ailleurs je crois, pour que je puisse me lancer dans le tricot et le crochet. D'ailleurs c'est la laine que j'ai utilisée pour me lancer au crochet en partie. Et donc du coup, cette petite mallette me servait jusque là à ranger des choses pas très passionnantes, comme par exemple des dossiers ou des carnets en fait en tout genre que j'avais. Et donc je l'ai récupéré pour pouvoir m'en servir pour faire un petit lit pour ma poupée. Donc il va y avoir encore tout un cheminement à faire, hein, parce que pour l'instant rien n'est fait, mais j'ai prévu de tapisser notamment l'intérieur avec du joli papier et lui faire un petit matelas avec de la mousse. Mais voilà, comme je vous disais, vous verrez ce projet avancer vraiment au fur et à mesure, puisque certains matériaux vont être peut-être un peu longs à trouver et que je tâtonne encore un petit peu, mais au moins vous savez le gros du projet. Je vais poser ça par terre puisque ça fait quand même pas mal de bruit. Je vais me poser ici parce que je sens que j'ai un chat qui va forcément s'allonger dessus. Mais du coup voilà pour un petit peu l'idée globale. Et donc même si je ne peux pas encore commencer le matelas, j'ai décidé de commencer à faire un petit peu tout le linge de lit qui ira dans le lit de ma petite poupée. Et j'ai donc commencé par une petite couette en patchwork, donc qui est comme ceci. Comme vous le voyez, j'ai posé le biais d'un côté, mais je ne l'ai pas encore rabattu de l'autre. Elle est vraiment en cours. Mais du coup, à la fin, voilà, ça donnera quelque chose bordé de biais comme ceci. En fait, c'est un patchwork que j'avais commencé il y a un certain temps déjà et qui était prévu pour complètement autre chose, pour faire un sac à projet. J'en ai sacrifié un morceau pour faire cette petite couette parce que je trouvais que le rendu faisait vraiment Little Woman un petit peu, la petite maison dans la prairie, vous voyez ce genre d'ambiance, avec souvent des lits qui ont l'air vraiment très douillés, avec plein de couvertures et de coussins dépareillés, avec du patchwork, etc. J'avais vraiment envie de créer cette poupée vraiment dans cet univers là. Et d'ailleurs un livre que je possède m'a inspirée, donc je vous montrerai ça juste après. Mais donc voilà, j'ai choisi de lui faire sa petite couette, donc d'un côté avec ce patchwork dans les tons bleu marine, bleu foncé et crème, et de l'autre côté avec du Vichy beige. Comme ça je me suis dit que je la mette comme ça repliée ou à l'envers, ça reste voilà, avec des motifs dépareillés, mais il y a quand même une harmonie d'ensemble que je trouvais sympa. Donc voilà pour cette petite couette. J'ai utilisé donc le dessus en patch, le dessous en coton. Et à l'intérieur se trouve, hop, un petit peu de ouatine. Je ne sais pas si vous la verrez, mais je l'ai emprisonnée en fait à l'intérieur. Peut-être que je quilterai un petit peu cette petite couette. Je vous avoue que j'y avais pas pensé avant, j'y pense vraiment en vous parlant, mais ça pourrait être sympa et ça pourrait rajouter un petit détail en plus. Je suis allée chercher les livres qui m'ont inspirée afin de vous les montrer. Donc pour l'ambiance autour de cette poupée, comme je vous disais, j'avais envie de quelque chose de très, vous savez, vraiment le basique américain un petit peu, avec des vieux meubles, du patchwork, etc. Et donc voici les livres qui m'ont principalement inspirée. Donc il s'agit, bon c'est pas trop de saison, c'est un livre de Noël, mais du livre de la petite maison dans la prairie dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo ou celle d'avant, je ne sais plus. Et c'est principalement, hop, les images comme celle-ci qui m'ont inspiré pour les vêtements de ma poupée, mais également pour son petit lit. Donc je vais essayer de vous montrer ça puisqu'il y a une image où on le voit très très bien. Voilà, ici. Hop, avec, vous voyez, toutes ces couvertures qui ont l'air tellement douillettes, en patchwork. Je trouve ça super réconfortant et je me suis dit que ça ferait vraiment une chouette ambiance autour de cette petite poupée. Je pense que je peux avoir vraiment plein de possibilités pour créer dans cette ambiance-là pour ma poupée. Donc voici, principalement pour l'ambiance, le livre qui m'a inspirée.
Et pour les vêtements, je me suis inspirée de ce livre que je vous ai déjà montré également, des 4 fils du docteur March, mais en version illustrée. C'est surtout également pour les tenues qui m'a beaucoup donné des idées. Donc ici par exemple, on peut en voir quelques-unes. Vraiment ces robes, en fait finalement c'est une poupée qui me ressemble quelque peu. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mon amie proche, du coup je vais vous faire peut-être un petit résumé ici. Mais en fait ce livre voilà m'a vraiment inspirée pour les tenues. Hop, on en voit encore quelques-unes ici et derrière. Et du coup c'était vraiment chouette de pouvoir feuilleter ces livres là pour avoir un petit peu des idées pour pouvoir l'habiller. J'ai fait des petits croquis aussi. On verra si j'arrive à tout réaliser parce que des vêtements de poupée c'est très petit et du coup c'est pas forcément facile à coudre parce qu'au plus c'est petit au plus c'est minutieux. En tout cas je m'amuse vraiment beaucoup à faire ce projet là. Et le dernier livre qui m'a inspirée, mais cette fois-ci c'est plus encore une fois au niveau de l'ambiance pour la valisette. Je vous l'ai déjà montré également il me semble. Il s'agit des aventures des souris des 4 saisons. Donc en anglais c'est Brambly Edge. Et donc en fait à l'intérieur vous avez beaucoup d'illustrations des terriers des souris notamment. Et ça m'a beaucoup inspirée pour l'intérieur de la petite valisette, un petit peu dans cette ambiance, comme je vous disais, patchwork, dépareillé, etc., qui fait vraiment un aspect très cosy. Je vais essayer de vous trouver une illustration où on voit bien. Et par exemple, vous avez une petite chambre ici, vous voyez un petit peu l'idée, avec toutes ces choses dépareillées, mais qui au final vont très très bien ensemble. C'est totalement ce genre d'ambiance qui m'inspire pour ma poupée, mais tournée un petit peu à la mode victorienne du coup. Je vous l'avais déjà un petit peu montré avec les clips précédents, mais du coup, une des choses qui m'a beaucoup occupée cette semaine aussi, c'est le remplissage de mon agenda, que vous connaissez déjà puisque vous l'avez vu plein de fois maintenant en vidéo. J'en suis toujours extrêmement satisfaite et je vous avoue que je suis bien contente qu'il aille encore jusqu'en janvier, puisque comme ça, ça me laisse encore plein de temps pour le compléter. D'autant plus que, comme je vous disais, c'est un agenda qui démarre en septembre. Et du coup, oui, en septembre? Attendez, je vérifie. Non, en août, donc j'aurais pu racheter un nouveau maintenant, mais je trouve ça un petit peu bête d'en racheter un pour le prendre du début, sachant que celui-là n'est pas terminé. Je sais pas si vous voyez un petit peu ma logique, mais voilà, je me voyais pas remplir deux agendas en même temps. Donc je préfère continuer de remplir celui-ci jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et comme je vous disais, la partie au tout début de l'agenda, je m'amuse en fait à la décorer avec des papiers. Tout simple en fait, pour pouvoir ensuite la transformer en album photo. Comme ça, à la fin de l'année, je ferai une sélection de toutes les photos de l'année, des événements plaisants qui se sont passés cette année. Et je pourrai transformer du coup toute cette partie de page là, que je n'ai pas remplie avec mes petites anecdotes du jour, en album photo. Et donc du coup, ça me fera un chouette petit carnet pour la fin de l'année où à chaque fois, bah, quand je lirai les pages, je pourrai avoir une rétrospective vraiment de l'année, des petits bonheurs qui me sont arrivés, etc. Et il y aura aussi des photos en plus, donc je trouve que ça fait vraiment un chouette concept en fait, parce que bah, ça vous accompagne tout au long de l'année, ça vous permet de garder vos souvenirs, bon maintenant vous connaissez bien l'intérieur. Et en plus, bah, je me dis, quand on vieillit ou quand on a des enfants, ça peut être vraiment un chouette souvenir de se replonger dans toutes ces petites anecdotes, bah, que peut-être, si je ne les avais pas notées, personne n'aurait pu le savoir, peut-être même que j'aurais oublié. Donc voilà, je trouve que remplir cet agenda comme ça, c'est vraiment top et c'est ce que je ferai pour l'année prochaine également, puisque j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui j'ai aussi fait quelques photos pour mon compte Instagram puisque comme vous le savez je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube dans la vie de tous les jours on va dire. Et bah, je poste beaucoup en story mais ça fait quelques temps que j'avais un petit peu abandonné les photos sur le feed directement. Et là j'ai eu très envie de refaire un petit peu des mises en scène photos pour mettre en lumière des livres que j'apprécie notamment, ou la décoration de la maison ou que sais-je encore. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait, tout simplement parce que quand je n'ai pas envie de faire de mise en scène, je poste des photos prises sur le vif, chose que je ne faisais pas du tout il y a quelques années mais que j'ai appris à faire maintenant, puisque je préfère poster du contenu beaucoup plus authentique.
Mais là, je ne sais pas, j'ai eu comme une envie de refaire un petit peu ces photos où je prends plaisir à agencer chaque petit élément. Et donc, j'ai fait quelques photos aujourd'hui de mon livre The Private World of Tasha Tudor, donc le livre sur Tasha Tudor dont je vous avais déjà parlé. Donc j'ai hâte de les retoucher et de les poster sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, mais que vous aimez bien voir un petit peu ce que je fais et avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à m'y suivre puisque je poste très régulièrement des stories et bah, je pense qu'en fait je suis active quasiment tous les jours sur Instagram. Du coup, si vous voulez me suivre un petit peu dans mon quotidien, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est un format, comme je disais, un peu différent d'habitude. J'espère que ça vous aura pas ennuyé et que ça vous aura autant plu que mes vidéos habituelles. Cette vidéo sortira juste avant le prochain podcast créatif qui sera, je pense, en ligne la semaine prochaine sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être super long parce que j'ai vraiment beaucoup de créations à vous montrer. J'ai fait beaucoup de sacs, beaucoup de vêtements, beaucoup de plein de choses en tout genre. Et autant mon dernier podcast créatif s'appelait le podcast créatif le plus long de toute ma chaîne, autant je pense que celui-là va être vraiment très très long aussi. Tant mieux si vous aimez les longues vidéos, et si vous préférez les vidéos plus courtes, je suis vraiment désolée. J'espère que vous aurez apprécié comme d'habitude ce moment en ma compagnie. Je ne sais pas si je referai ces espèces de weekly vlog un petit peu, je sais pas comment dire, ça fait un petit peu caméra embarquée parce que je filme tous les jours avec vous. Je ne sais pas si je referai ce type de format, mais en tout cas c'était sympathique à filmer et du coup je suis contente parce que ça vous fait une petite vidéo en plus de celle que j'avais prévue initialement. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé comme d'habitude un agréable moment en ma compagnie. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bisous !